Hey yo mon peuple, est-ce que vous êtes chaud? Ce soir, on est à la secret place, on va tout bousiller. Allô, est-ce que tout le monde est là? Allô, est-ce que tout le monde est là? Allô, est-ce que tout le monde est là? Si tu veux, nous avec Maniacs, on a pas mal, joué dans les trucs assez rock'n'roll, assez décalé par rapport à notre style de musique. Donc nous, on a une énergie déjà assez rock'n'roll déjà à la base, donc ça nous fait pas trop peur ce genre d'endroit. On l'a pris comme un concert normal, on s'est dit bon bah Secret Place, on nous en a parlé, on nous a dit que c'était un bon endroit tout ça, donc on est arrivé, on a vu l'endroit, le truc, le public est arrivé, on n'a pas eu pas trop d'appréhension. Limite je dirais qu'on a plus d'appréhension sur des salles qui sont très très hip-hop justement. Certains, on va dire, c'est pas qu'ils comprennent pas le truc, c'est que ouais, ils nous voient faire du hip-hop un peu déguisé, les couleurs, les trucs. Alors que bon, on donne l'image du hip-hop un peu, tu sais, un peu genre gangster, machin, tout ça. Donc nous, on essaie justement d'arriver avec cette autre image plus colorée, plus festive, un peu plus rock, quoi. Donc ce côté qu'on aime justement du rock et des musiques desquelles qu'on écoute, nos influences, les trucs comme ça, tu vois. We'll be right back.
au départ, on avait déjà des idées assez typées sur le live. On avait envie de donner des couleurs, des trucs. C'est vrai qu'au début, on savait pas trop comment arriver à donner un truc pas trop dans le too much, quoi, justement. Et c'est vrai que le spectacle Center of the Earth nous a beaucoup aidé sur certaines idées, sur notamment nos décors, nos trucs. On s'est dit, tiens, il faudrait vraiment alimenter le truc. Et c'est vrai qu'après, on est sorti de là avec une vision autre que le live. On s'est dit, un show, faut faire un show, faut faire un truc. On a pas mal réfléchi sur certaines idées, donc les petits déguisements, le machin. Après, plein de trucs est venu au fur et à mesure où, tu sais, quand tu pratiques, tu dis là, ils font un truc et puis tu cherches. Donc après, c'est un travail de longue haleine, justement. On est tous les trois... très perfectionniste à ce niveau-là, donc on avait plein d'idées, et puis on a ciblé les bonnes idées, les trucs pas trop, et puis on a tout mis comme on a fait ce soir. C'était autant énorme qu'une salle de 700 places. Du moment que le public est là, qu'il a envie de s'échapper, de faire la fête, vraiment de pousser le truc, on voit même plus s'il y a 6000, 200, 100, 30, 5, on s'en fout. À ce moment-là, les gens ils sont là, nous on est là. Yes, we see. Do you see the bridge that proceeds on the PC? Yes, we see. Do you see the archipel of my homies? Yes, we see. Do you see how the shit got on these people? Yes, we see.